Le protectionnisme, c'est le virage économique assumé par le Premier ministre indien. Narendra Modi augmente les droits de douane pour une cinquantaine de produits. Jus d'orange, chaussures, bougies, téléphones, cerf-volants, parfums, tous taxés désormais entre 20 et 35%. Une politique économique en totale contradiction avec ce qu'il disait à Davos il y a encore un mois et demi, quand il défendait le libre-échange. Il ne faut pas que la compétition à laquelle se livrent les grands pays conduisent à construire des murs entre les États. Alors, pourquoi un tel revirement? Parce que selon le ministre de l'économie, c'est la seule solution pour protéger les entreprises indiennes et donc l'emploi. Il s'agit aussi d'empêcher les produits chinois d'inonder l'Inde. Les mesures prises par l'Inde ne sont pas des mesures fondamentalement qui visent les pays occidentaux, notamment les produits français ne seront pas du tout, pour l'essentiel je crois, atteints, mais visent essentiellement ces produits très bon marché que la Chine exporte. Ces mesures protectionnistes visent aussi à flatter l'électorat nationaliste. Les élections sont prévues normalement pour 2019, mais elles pourraient avoir lieu dès cette année.